président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé la séance hebdomadaire du Conseil des ministres qui a eu lieu ce mercredi 4 janvier 2017. 6 points majeurs ont été examinés. Le premier, il s'agit de la construction d'une centrale thermique de 400 MW à Mariagleta. L'objectif visé par ce projet est bien entendu de combler le déficit d'offres d'électricité et de diversifier nos sources d'approvisionnement en énergie électrique pour garantir à l'horizon 2025 une autonomie de 70%. Ce projet comporte plusieurs phases. La première phase de ce projet comprend la construction d'une centrale thermique de 120 MW pour un coût global de 107 milliards 100 millions de francs CFA. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO participe au financement par un prêt à notre pays d'un montant de 15 milliards de francs CFA. Ce prêt est donc destiné au financement partiel de cette première phase. L'accord de prêt a été signé le 23 décembre 2016. Le Conseil a pris un décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec la BIDC. Avec le prêt de la BIDC, nous pouvons considérer que le financement de la construction de la centrale thermique de 120 MW est définitivement bouclé. La BID, la Banque islamique de développement, participe à hauteur de 78 milliards 4. La BOAD à hauteur de 10 milliards. La BIDC, je venais de l'indiquer, à hauteur de 15 milliards. Et le budget national à hauteur de 3,7 milliards. Financement bouclé. Deuxième dossier. Il s'agit du financement par la Banque européenne d'investissement du projet eau et assainissement Cotonou phase 3. L'objectif du projet eau et assainissement Cotonou phase 3 est de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable en matière d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement des eaux usées. Il est attendu de la réalisation de ce projet un accroissement du taux de desserte global en eau potable en milieu urbain et périurbain de 84% en 2015 à 100% en 2021. La Banque européenne d'investissement participe au financement de ce projet pour un montant de 19 milliards 700 millions de francs CFA. Le contrat de financement a été signé le 8 décembre 2016. Le Conseil a adopté le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du contrat de financement ainsi signé avec la Banque européenne d'investissement. Le coût global du projet eau et assainissement phase 3 est évalué à 49 milliards 200 millions de francs CFA. Des contrats de financement ont déjà été signés avec la KfW à hauteur de 23 milliards 700 millions et la BAD à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Les financements acquis auprès de la KfW, de la BAD et de la Banque européenne d'investissement représentent 98% du coût global du projet. Il reste à mobiliser le reliquat auprès de l'Union européenne. La convention de financement avec l'Union européenne est en cours d'instruction. Donc, sous peu, nous pouvons considérer aussi que ce projet eau et assainissement Cotonou phase 3
à son financement bouclé. Troisième dossier, cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement. Il s'agit de la cellule FED au ministère de l'Économie et des Finances. Le Conseil a examiné la question relative à l'efficacité globale de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du FED. Depuis 2012, l'Union européenne a suspendu son financement au fonctionnement de la cellule. Le montant de la subvention de l'Union européenne à mobiliser au titre du 11e FED s'élève à 244 milliards de francs CFA, dont les points d'application sont inscrits dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021. Il apparaît donc impérieux de rétablir les relations harmonieuses de coopération avec l'Union européenne. C'est dans ce cadre qu'un nouveau programme d'appui à l'ordonnateur national a été récemment formulé avec l'Union européenne. Ce programme d'appui nouveau implique la création d'une unité technique d'appui à l'ordonnateur national du FED. Une unité d'appui mieux dimensionnée et plus efficace dans la mobilisation des ressources. Une unité d'appui technique astreinte à l'obligation de résultat en lieu et place de la cellule d'appui actuelle. Les membres du personnel de la cellule seront redéployés vers leur structure d'origine ou vers le ministère en charge de la fonction publique. Le Conseil a pris le décret portant suppression de la cellule FED et le décret portant création de l'unité technique d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement. Quatrième dossier. Recrutement d'agents permanents de l'État au profit de l'Inspection générale des finances et de la Direction générale des impôts. Avec le départ massif à la retraite des agents de ces deux structures importantes dans la gestion des finances publiques, leurs effectifs ne permettent plus de faire face effectivement à leurs attributions. Le Conseil a donc autorisé le recrutement de 411 agents, soit 36 agents au profit de l'Inspection générale des finances et 375 agents au profit de la Direction générale des impôts. Cinquième dossier. Expertise technique des travaux de construction du siège de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication à Porte-Nouveau. Les travaux de construction du siège de la HAC ont démarré en octobre 2005. Ils ont été arrêtés en septembre 2008 pour défaut de financement complémentaire. Le coût des travaux estimé à 2 milliards de francs CFA étant passé à 4,7 milliards de francs CFA à l'issue de l'appel d'offres lancé en juillet 2004. Une mission d'expertise a été ordonnée par le gouvernement. Le rapport final a été validé le 13 octobre 2016. Le Conseil a pris connaissance des conclusions de ce rapport. Les dites conclusions sont relatives notamment à la bonne qualité des fondations de l'ouvrage ainsi qu'à l'évaluation des coûts des travaux restants. Le coût des travaux restants est évalué à 3,8 milliards de francs CFA et les propositions d'aménagement de l'ouvrage sont estimées à près de 3 milliards de francs CFA, soit un montant global de 6 milliards 800 millions de francs CFA nécessaires à l'achèvement des travaux, compte non tenu notamment de frais liés à l'immobilisation du matériel, aux agios bancaires et au règlement d'éventuels contentieux. À l'issue de l'examen de ce rapport,
le Conseil a donné deux instructions. La première, le ministre de la Justice et de la Législation et le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable ont été instruits en liaison avec l'agent judiciaire du Trésor aux fins de négocier à l'amiable la rupture des contrats. Rupture des contrats en cours pour permettre la poursuite des travaux sur de nouvelles bases. Deuxième instruction du Conseil. Le ministre du Cadre de Vie et le ministre de l'Économie et des Finances ont été instruits pour sélectionner par appel d'offres ouvert un partenaire privé pour la reprise et l'achèvement des travaux dans le cadre d'un BOT, c'est-à-dire construire, exploiter et transférer. Le Conseil a par ailleurs instruit le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable afin de revoir la politique de financement direct par l'État de la construction des immeubles administratifs. Il serait en effet indiqué qu'à l'avenir, la construction des bâtiments publics soit financée dans le cadre de BOT, les loyers devant servir à acquérir les bâtiments construits pour renforcer le patrimoine de l'État au lieu de payer les loyers à perte. Sixième dossier, mise en œuvre effective et efficace du programme d'action du gouvernement. Le Conseil a pris connaissance d'une communication relative à l'opérationnalisation du dispositif de suivi et d'accompagnement de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Nous savons tous que le mal fondamental qui plombe la réalisation des programmes d'investissement, c'est le défaut de suivi. Le gouvernement fait de cela un défi majeur à relever pour la réussite du programme d'action du gouvernement et l'amélioration du bien-être des populations. La mise en œuvre du PAG, programme d'action du gouvernement, est exigeante. Elle requiert notamment l'exécution efficace des investissements. Nous avons 299 projets. Elle requiert également l'application des réformes prévues. Nous avons 77 réformes administratives et institutionnelles. La mise en œuvre du PAG, qui est exigeante, exige aussi une bonne coordination des interventions, une capacité d'impulsion de la présidence de la République. Elle exige aussi la mise en place d'organes et d'outils performants d'exécution, de suivi et d'évaluation, ainsi qu'une capacité de réaction rapide des acteurs concernés. J'ai eu l'occasion de vous dire déjà ici que le mécanisme de mise en œuvre comprend notamment le comité de suivi des projets phares, le comité de suivi et d'évaluation et les comités sectoriels de suivi dans les différents ministères. Le Conseil de ce jour, 4 janvier 2017, a décidé de mettre en place un dispositif opérationnel de suivi et d'accompagnement de la mise en œuvre du PAG. Ainsi, des unités présidentielles de suivi du programme d'action du gouvernement seront mises en œuvre. Il y en aura 11. Mais chaque unité est légère, pas plus de 3 à 4 personnes. Des comités de réforme seront constitués dans tous les ministères impliqués dans les réformes. Une équipe chargée de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre d'une matrice de réforme relative à l'amélioration de l'environnement des affaires sera constituée. 5 groupes de travail multisectoriels seront mis en place et un comité de mobilisation des financements
et de coordination de nos relations avec les partenaires techniques et financiers a été formé aujourd'hui. Nous pouvons donc en déduire que l'organisation générale relative à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement est ainsi achevée. Le dispositif opérationnel de suivi et d'accompagnement est en place. Ce qui reste maintenant, nous devons nous mettre au travail. Je vous remercie.